An diesem herbstlichen Mittwochmorgen macht sich Ibe auf den Weg in den Süden. Sie nehmen den Flieger Richtung Tirana, die albanische Hauptstadt. Morgen Abend ist Europa League angesagt. Der Match findet dann nicht in Tirana statt, sondern in Elbasan, eine Stadt rund 40 km südlich von der Hauptstadt. Gegner wird das Skënderbeu Koç sein. Sie sind letztes Jahr dritt geworden in der albanischen Meisterschaft. In dieser noch jungen Saison sind sie Leader. Bevor aber dass wir losfliegen, fragen wir noch Roger Assale, wie fest er sich auf diesen Match freut. Hallo Roger Assale, c'est ton troisième voyage européen avec les Young Boys. Les parties extérieures en Europe sont toujours quelque chose de spécial pour toi? Bon, pas vraiment spécial, mais bon. D'autant plus qu'on va pour un match très important. Donc, je me dis aussi que c'est spécial parce qu'on va pour une rencontre. Et voilà, je sais que étant là-bas, ça va être une autre mentalité. Donc, à nous maintenant de se préparer pour affronter cette échéance. Toi, tu as fait 5 buts dans les 5 derniers jeux, donc tu es vraiment en forme. Hein? Ça t'aide pour les prochains matchs? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je marque 5 buts. Mais tout d'abord, c'est de rendre grâce à Dieu parce que voilà, ça n'a pas été facile. Mais le plus important, c'est de toujours travailler pour le club. Et voilà, après, les choses viennent d'elles-mêmes. Voilà, donc pour moi, la mentalité, elle est toujours au bon fixe. Je pense qu'on va toujours travailler comme ça et apporter toujours un plus à l'équipe. Parlons du dernier match en Ligue Europe. Le jeu contre Partizan, qu'est-ce qui a manqué là? C'était un match nul? Ouais, c'est vrai, on a fait un match nul contre le Partizan. Mais je pense qu'on apprend toujours de nos erreurs. Et durant ces derniers temps, on a longuement travaillé, on a beaucoup travaillé. Et c'est ça qui va faire, disons, la différence demain. Raison pour laquelle voilà, tout le groupe est là. Et même si on a des absents, on a des blessés. Mais avec ce groupe qu'on a, je pense qu'on peut faire de très belles performances. Toi, tu es quelqu'un qui voyage beaucoup. Il y a un mois, tu étais à la Côte d'Ivoire et au Gabon avec Sekou et avec les éléphants. Et voyager, c'est quelque chose que tu aimes faire ou c'est quelque chose que tu n'apprécies pas vraiment? Bon, on voyage pour le boulot. On voyage pour le boulot. Donc, si tu voyages pour le métier que tu aimes le plus au monde, je pense que c'est toujours bien de voyager pour ce boulot-là. Et je pense que cela, ça ne dérange pas. Donc voilà, on prend plaisir à voyager pour faire le boulot qu'on fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Nach einer halbstündigen Carfahrt ist Mannschaft und Staff hier im Hotel in Tirana angekommen. Später am Abend machen sie noch ein Abschlusstraining hier in der Hauptstadt. Erst morgen gehen sie auf Elbasan, wo ja der Match wird stattfinden. Beim Abschlusstraining sind wir selbstverständlich auch wieder mit dabei und werden die Mannschaft befragen über die ersten Eindrücke, die sie vor der Stadt gewonnen haben.